Béchem Hachem Naaseh V'Nasliach, cette semaine, dimanche 29 Tevet, veille de Rosh Chodesh Shvat. Iloula de qui aujourd'hui? Rav Kadouri. Rav Kadouri, Chazak, quelle joie de l'entendre. Iloula de Rav Kadouri. Gdol Amkoubalim, le grand des Mekoubalim de la génération. De la dernière génération. Kaftet, veille de Rosh Chodesh Shvat. On sait tous que c'est un grand jour. Tous les veilles de Rosh Chodesh, les Ashkenazis font des grandes filotes qui s'appellent Kippour Katan, Baruch Hashem. Nous, on va commencer un des 39 travaux qui s'appelle Melechet Korea. Korea, c'est quoi Korea? C'est déchiré. Ça vient du mot Kriya. Alors, je commence à lire. À Korea, mi beged kede le takeno, celui qui déchire un morceau d'habit pour le réparer. Au vert, il transgresse al melechet korea sur la melacha de quoi? De déchirer. Afshe no metakno be shabbat, même s'il ne répare pas pendant shabbat. Aval a korea, mais celui qui déchire chez lo al menat le takeno, pas pour le réparer. Au vert, al isur de rabbanan, il transgresse un interdit d'ordre rabbinique kevan sheurak mekalkel, parce qu'il abîme. Alors là, écoutez bien, rabotai. Ouvrez grand vos oreilles au principe, au klalim de la Torah. Quand tu déchires quelque chose pour réparer derrière, Sandra, c'est un interdit des oraita, de la Torah. Quand tu déchires pour ne pas réparer, c'est d'ordre rabbinique. Exemple, j'ai un petit endroit ici, je veux le déchirer pour qu'après Shabbat, je peux bien le recoudre. C'est un issour Torah. Je veux le déchirer sans kavana de recoudre, c'est un issour des rabbanan. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mekalkel, détruire. Vechola mekalkelim, et tous ceux qui détruisent, pas tour minatora, ils sont tour et minatora, et ils sont hayavim iderabana. Alors, toladat korea, rabotai, un dérivé de déchirer. Hamafrid neyarot dvukim zebazé, celui qui décolle des papiers qui sont collés l'un à l'autre. Alors, almenat le taken pour les réparer. Over al toladat Coréa, il transgresse l'interdit, le dérivé de déchirer et il est hayaf. Alors à beauté, on va rentrer dans la sugya. Jérémy, ouvre grand tes oreilles. Des papiers toilettes qui sont pré-coupés. Est-ce qu'on a le droit de les couper Shabbat ou pas? En sachant que ça s'appelle Coréa, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Qui a dit non? Non ou oui? Philippe, alors où vous êtes? Assour, tu dis Assour, Issour, Gamour. Minatora ou Midera Banane, Sandra? Minera Banane. Attention, parce que dans les pointillés, ça s'appelle quoi, Hamouche, celui qui dessire dans les pointillés? Ça s'appelle Metaken, parce qu'il répare, parce qu'il coupe bien propre. Alors écoutez bien. Oh là 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 là, écoutez bien. Écoutez bien. Khamouche, écoutez bien comment c'est important cette halakha. Il y a Simlev. Faire attention, c'est actuel. Je le dis pour moi le premier. Je vais vous dire pourquoi ça nous parle à chacun. Chaque personne doit s'occuper qu'à la maison, il y ait des papiers déjà coupés. Parce que celui qui laisse les papiers qui ne sont pas coupés Shabbat, et ils viennent pendant Shabbat, il les déchire de façon interdite. Les avérotes qui sont faits dans la maison, ils sont comptés sur son compte. Ridouche incroyable. Malheureusement, moi, le premier, j'oublie. Vendredi, il y a le lahatz. J'oublie de préparer le papier. Alors que quand tu ne coupes pas le papier ou tu n'achètes pas du papier déjà coupé, le monsieur, il vient, le pauvre, il ne sait pas. Tu as un invité, il ne sait pas. Ta femme, elle ne sait pas. Ton mari, il ne sait pas. Tes enfants, ils ne savent pas. Ou même, ils savent, ils oublient. Ils coupent le papier. C'est qui a pris la avéra? La Gemara dans Shabbat est dit, c'est le Baal HaBayit qui aurait dû le couper avant Shabbat. Donc ça a une importance énorme, Rabotai. Ça a une importance énorme. Chacun d'entre nous, on doit se préoccuper de couper le papier toilette avant Shabbat et le sopalin le couper avant Shabbat pour ne pas qu'il arrive une embûche qu'on le coupe pendant Shabbat, Hasv Shalom. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est Doraïta alors, excusez-moi. Oh là 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 là. Alors, on verra, est-ce que c'est Minatora? Mais dans tous les cas, c'est Assour.
Maintenant, Philippe Tishmatov, tu sais que le 25 décembre, il y avait des chassidim qui n'étudiaient pas la Torah. Est-ce que vous avez entendu parler de ce minhag? Pas chez nous, hein. Oui, pas chez les séfarades, pas chez les séfarades. Mais le rabbi de Lubavitch, on dit que ce soir-là, jusqu'à la moitié de la nuit, il jouait aux échecs. Parce qu'il y a un sujet, selon la chassidoute, Rav Obadia, il parle de ça, hein. Il n'est pas d'accord avec ça, Rav Obadia. Il y a Biarom et Chelek Zayin, page, si ma mémoire est bonne, Resh, quelque chose. C'est une tchouva de Yabia Omer Helexain. Avo Badia dit nous on étudie. Mais il y avait un minhag comme ça, il le ramène chez les Ashkenaz, chez les Chassidim, de ne pas étudier le soir du 25 décembre. Il y avait on raconte que le Gaon de Vilna, on raconte que lui aussi faisait attention de ne pas étudier. Et on raconte que des grands tzadikim, ils coupaient ce soir-là le papier toilette de toute l'année de Shabbat. Qui coupait le papier toilette de toute l'année de Shabbat pour ne pas enfreindre un issour des Oraïta de couper Shabbat. On ne se rend pas compte. C'est les Pelaot. Vein Nikla les Makom Shen Chania Hadour. Oh là là. Maintenant, celui qui se trouve dans un endroit, Philippe, où il n'y a pas de papier de toilette coupé, alors il aura le droit de le couper, pas sur les pointillés. Pourquoi on permet cette chose-là? Parce qu'il y a un kvod abriot. C'est quoi kvod abriot? Le kavod, le kavod d'être propre. Et ce kavod d'être propre, il est doré l'interdit de couper. Puisque quelqu'un, il est dans ce cas-là, et il est bien, Rav Obadia, il dit de le couper avec le coude ou de le couper avec le pied. Il a fait, et donc ça ne sera pas un issour Torah, ça ne sera qu'un issour des Rabbanan. Et automatiquement, un issour des Rabbanan qui va être fait avec un chinouille, ça sera même deux des Rabbanan. Et même dans ce cas-là, il y en a qui permettent directement de couper si ce n'est pas sur les pointillés. Parce que comme je le fais pour me nettoyer, pour pouvoir aller à la tfila, ça s'appelle Kvod Abriot. Et Kvod Abriot, il est doré même à l'otarassé de la Torah. Où on a vu qu'un Kvod Abriot, il est doré le l'otarassé de la Torah, le kavod des créatures, la Kadosh Baruch Hu, il repousse un l'otarassé. La Gemara, elle parle d'un cas, dans plusieurs macertotes dans le chasse, un Kohen Gadol qui marche dans la rue et qui voit un homme décédé, il doit casser sa keuna, même s'il n'a pas le droit de s'impurifier, et même s'il est nazir, pour aller s'impurifier et enterrer cet homme-là qui s'appelle Met Mitzvah. Donc on voit que le kvod abriot, le kavod des créatures, il est plus grand que tout. Il y a fait méode. On peut continuer. On a le droit, quoi. Quoi? On a le droit. Donc dans un cas où j'ai aucun papier, j'ai pas d'autres papiers, ou malheureusement on n'a pas acheté coupé, ou malheureusement on n'a pas préparé avant Shabbat, alors oui, j'ai le droit, pas sur les pointillés, et c'est mieux de faire avec un chinouille. Il y a fait, il n'y en aura pas de problème dans ce cas-là. Mais les khatéris là, on doit tous préparer le papier avant Shabbat pour ne pas que notre maison elle transgresse Shabbat. Pff, magnifique, je suis heureux d'apprendre ces khidouchim. Baruch Hashem, on peut Charles Hamshir. Est-ce que vous connaissez le coton que les femmes ils ont des fois du coton? Est-ce qu'on a le droit d'arracher le coton? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a des sachets avec du coton empilé comme ça. Et c'est des touffes de coton. Et on arrache un peu de coton. C'est moutard, Shabbat ou ça s'appelle Coréa? C'est Coréa, c'est pareil, non? Coréa aussi. Coréa, Khamouchi dit, Sandra, il dit Coréa. Qui a une autre réponse? Alors, Binyamin? T'as bien fait de venir. Ah, dis-moi-le. Je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas du tout? Tu vois de quoi je parle? Ouais, très bien. Alors, Sandra, tu as bien fait de venir. Hamouche aussi. Vous avez bien fait de venir parce qu'on apprend ensemble. Moutar litloche, on a le droit d'arracher, khatichat semer, un morceau de coton, mais à Khavila, du paquet de coton. Tu vas me dire pourquoi ce n'est pas Coréa? Parce que Sandra, ça a été attaché. Tu détaches rien du tout. Tu détaches quelque chose qui a été déjà détaché et il a été pressé ensemble. Ah. C'est haram, c'est haram. Il y en a qui sont attachés avec des pointillés. Hein. Attends, Mekhila, le coton, d'accord, on est d'accord qu'ils ont pris ce coton-là, ils l'ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont fait et eux-mêmes, ils l'ont pressé ensemble. Ils ne l'ont pas, il n'y a aucune mélacha de déchirer. Tu es en train de... C'est comme les bessamim. Tu as des bessamim à la maison, déjà coupés du sol. Tu viens, tu les casses en deux. Tu as le droit. Tu casses quelque chose de cassé. Tu arraches quelque chose d'arraché. Dire à vos badia, chez Arez et Ketolesh Mitalouche.
C'est comme si que tu arrachais quelque chose de déjà arraché. Chez Moutar, Veot, chez Sivé, Atsemer, le coton, Dak, mais Od, Venirin, Kegoufin, Mifadim, Velo, Chayer, Baim, Korea, il n'y a pas dans le coton le yinyan de déchirer. Urmo, Sivim, Chel, Korea, Akabish, Chen, Baim, Korea, c'est comme les toiles d'araignée qu'il n'y a pas de Korea. Vous savez que Mishnah Berurah, il ramène, Hervé, qu'il faut enlever les toiles d'araignée de la maison vendredi. C'est une Ségoula, pourquoi ? Celui qui enlève les toiles d'araignée de la maison. Une Ségoula, pourquoi ? Alors, qui me suit ? Pour ne pas les enlever le Shabbat. Non, une Ségoula Shalom Bayit, Aaron. C'est écrit, c'est incroyable. Je ne connais pas la raison. Hein. Mais comme ça, il ramène Mishnah Berurah à Philippe. Qu'il faut enlever les toiles d'araignée et Shabbat, avant Shabbat, c'est une Ségoula pour le Shalom Bayit. De faire attention de qu'il n'y ait pas de toile d'araignée à la maison. Extraordinaire. Combien on doit s'investir le vendredi, Sony, qui est le shalom à la maison, parce que le Shabbat, c'est Amen. La seule fête qu'on dit Shabbat shalom. Ishtabar Shemolah. On ne dit jamais Purim shalom, Pessah shalom, Hanouka shalom. Ça n'existe pas, Kippour shalom, non. Shabbat, le Shabbat, on dit shalom. Le Zohar HaKadosh, il dit que dimanche, lundi, mardi, puisent leur force du Shabbat qui vient de passer. Et mercredi, jeudi, vendredi, puisent leur force du Shabbat qui arrive. Ça veut dire on tourne autour du Shabbat. C'est ça la vie d'un juif. Je t'abarre chez moi, tu vois les femmes à l'époque, mercredi, vont faire les courses, Philippe. Jeudi, commencent à hacher la viande. Ils font les boulettes. Ils préparent le couscous. Depuis dimanche, c'est quoi leur souci dans la tête ? Qu'est-ce que je vais préparer pour Shabbat ? D'après une explication, c'est ça la menorah du Beit HaMikdash. Il y a trois branches à droite, trois branches à gauche, et ils se penchent tous vers quoi ? Vers le milieu. Il dit le Zohar, le milieu, c'est Shabbat. Les trois à droite, trois à gauche, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils doivent tous avoir le kivoun vers quoi ? Vers le Shabbat. Tous les jours de la semaine, on doit penser au Shabbat. Mitzvah ta'asé deoraita. C'est une mitzvah positive de la Torah de dire quand est-ce qu'il arrive le Shabbat ? Voilà, aujourd'hui, on est dimanche. Ayom yom echad ba Shabbat. Je viens accomplir la mitzvah de venir de me rappeler du jour du Shabbat. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah ? Jérémie, que depuis dimanche, j'ai une mitzvah de me rappeler du Shabbat. Qui peut me sortir ce verset ? C'est Minatora, Philippe, c'est Minatora. Ça veut dire là, ce que j'ai fait, aujourd'hui, on est dimanche, c'est encore dans 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans 5 jours, c'est Shabbat. Là, j'ai accompli une mitzvah positive de la Torah. Où est-ce qu'elle est écrite ? Non, faux. Zachor et Yom HaShabbat. Esther, magnifique, magnifique. Azak ou Baro. Zachor et Yom HaShabbat. Elle est déjà la Yeshiva. Oui, Kolakavod, Kolakavod, Zachor. Elle est célibataire. Esther est célibataire. Zachor et Yom HaShabbat, les cas des choses, c'est quoi ? Zachré ou Benjamin, rappelle-toi du Shabbat. Mais Had be Shabbat, depuis dimanche. Depuis dimanche, rappelle-toi du Shabbat. Je parle du Shabbat, j'ai envie qu'on soit déjà vendredi. On le dit pas dimanche, c'était bien. Et on est dimanche. Amen, amen, amen. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Sache-le, la Gemara dans Masechet Betza, page 16. Écoute bien, Khamush. La Gemara dans Masechet Betza, page 16, elle dit, rappelle-toi du jour du Shabbat, depuis dimanche. Et donc le Ben Ish Hai dit, quand je fais le matin dans la Tfila, Hayom, Yom Echad, Ba Shabbat, Wayom Yom Sheni, Wayom Yom Shelishi, Wayom Yom Rivi'i, Wayom Yom Hamishi, Wayom Yom Hashishi. Avant, je dois venir penser à accomplir la mitzvah positive de la Torah, de me rappeler du jour du Shabbat. Wow. Magnifique. Odou Lachem Kitov, on continue. Sefer Hadash. Je me suis posé cette question. Des fois, tu achètes un nouveau livre, Philippe, et les pages y sont collées encore. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir pour prier ? Ou ça s'appelle Coréa ? C'est pas Coréa, c'est pour un livre. Si c'est pour une prière, c'est pas Coréa. Tu déchires. C'est un petit moment où on déchire. Et en plus, c'est à vie, en plus. En plus quoi ? C'est à vie. Quand tu déchires, c'est bad, ça se recolle automatiquement. Ça se recolle. C'est un travail. Incroyable. C'est faire Hadash. Ouvrez grand vos oreilles, on lit dans les mots. Un nouveau livre, chez Nimtseu Bodapim Gvukim, qu'il y a des pages qui sont quoi ? Qui sont collées. Urgon, Beshaava, O Betafshil. Ah, ce n'est pas ce cas-là. Ce n'est pas ce cas-là.
C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si c'est collé par de la cire, j'ai le droit. Mais si c'est collé par, comment on dit la tpassa en hébreu, en français, le matpis, celui qui les a imprimés. Imprimé. Si c'est collé par l'imprimeur, c'est à sourd les afridam. Donc comme vous avez raison, Kol HaKavod, Philippe, bravo, Khamouche, bravo. Tu vois des fois dans les livres, des fois dans le Birkat Amazon, tu ouvres ton patahaya ou nouveau, le bas il est collé et donc tu peux pas, tu fais pas, c'est à sourd. Par contre, si c'est collé avec un peu de saleté ou c'est collé avec un peu de cire, ça il y a pas de problème de venir de très très bien. Magnifique, Odou Lachem Kitov, Sakiot Halav. Le sachet de lait, je ne sais pas si vous achetez encore en Israël, le sachet de lait de 1 litre en sachet. Tu vois, à l'époque, il n'y avait que ça. Ou Mamtakim, et les sachets de bonbons. Havilot Mazon, les sachets des aliments. Kosot Ratpeami, les verres en plastique. Tichou, Titoulim, Rol Shehbem, Tzorech les Shabbat. Tout ce qui a un besoin pour Shabbat, j'ai le droit de l'ouvrir, de le déchirer sans aucun problème. Les papiers. Pour consommer. Pour consommer. Bravo. Tu vois, le paquet de couches que tu veux ouvrir, Shabbat, moutard. Le lait que tu veux ouvrir, Shabbat, moutard. La bouteille que tu veux ouvrir, Shabbat, moutard. Le paquet de bistik que tu veux ouvrir, Shabbat, moutard. Tout ce que tu peux consommer, c'est moutard, Shabbat, sans aucun problème. Maintenant. Excuse-moi, tu as dit le paquet de couches aussi. Moutard. Pourquoi le paquet de couches, t'en avais le droit ? Non, le paquet de couches, ça n'a rien à voir. Je déchire l'emballage. Je ne fais pas un tikkun. Ça, je jette à la macombe. Ce n'est pas comme le papier toilette que tu découpes sur les pointillés. Ça fasse mieux. Attention. Est-ce que c'est permis même si on déchire des images ou des lettres ? Même si on déchire, on l'a dit la semaine dernière, des images, des lettres, sans aucun problème. Comme si t'en fais un gâteau d'anniversaire, il y a écrit... joyeux anniversaire Esther, on a le droit de le couper, on a le droit de le manger sans aucun problème, Blishum Baya. Odou Lachem Kitov, très très bien. Maintenant, celui qui a reçu un cadeau Shabbat, est-ce qu'il a le droit d'ouvrir le papier cadeau le jour du Shabbat, moutard ou assour? Moi je dis que c'est assour puisqu'on n'a même pas le droit de recevoir un cadeau Shabbat. Assour. Serge dit assour, Hélène elle a relevé un problème extraordinaire. Est-ce qu'on a le droit Bichlal d'offrir un cadeau Shabbat? Si on peut ouvrir le paquet, on peut le faire, je crois. Il faut étudier cette halakha. Alors écoutez bien, on va rentrer dans cette halakha. Je ne parle pas de manger, je parle d'un cadeau. Tu vas chez des gens, en Israël, ça se fait très souvent. Tu veux leur offrir Shabbat un talit. Tu veux leur offrir Shabbat, pas une bouteille de vin ou un gâteau que tu vas consommer. Ça ne s'appelle pas un cadeau. Tu veux leur offrir une chemise. Tu vas offrir des habits à la petite. Il y a une naissance, il y a une Brit Mila. Tu viens Shabbat avec des habits pour le bébé. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Il est interdit formellement d'offrir un cadeau Shabbat à une personne à cause d'un problème de kinyan. On ne peut pas faire une acquisition Sony le jour du Shabbat. Mais il y a deux possibilités. Est-ce que vous connaissez les deux possibilités pour faire un cadeau? Première, la meilleure, de prendre le cadeau. Voilà, je veux offrir, on va dire, cette montre à mon copain demain. Je prends une tierce personne. Je lui dis, lève cette montre. Pour un tel, il va lever cette montre, Hervé, il va lever cette montre, il va dire, je l'acquiers pour telle personne. Je ne peux pas le faire avec ma femme, parce que ma femme, c'est considéré comme moi. Donc, si moi, je ne peux pas le faire pour la personne, ma femme aussi ne peut pas le faire pour la personne. Donc, il faut que je prenne une tierce personne qui vienne et qui le soulève pour la personne en question. Et le lendemain, Shabbat, je peux lui offrir sans aucun problème, parce que c'était déjà acquis depuis la veille. Qui connaît la deuxième possibilité? Le jour du Shabbat. Eh bien, dis donc, là. Le donner Shabbat. Avant Shabbat. Quoi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai le donné avant Shabbat. Oui, bon, ça c'est sûr, c'est pas... Okay. Alors, ou prêter pendant Shabbat, dire il m'appartient, et ensuite, après Shabbat, il t'appartiendra. Excellent. Tu arrives Shabbat, tu dois offrir un cadeau, Sandra. Tu n'as pas fait cette chose-là. Alors, tu dis, voilà, je te le donne, mais pour l'instant, il n'est pas à toi. Il sera à toi comme au Tse Shabbat. Ou bien, Philippe, des fois, tu reçois des cadeaux des gens Shabbat et les pauvres, ils ne connaissent pas cette loi. Donc, ils te l'offrent. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire, voilà, écoute, je le prends ce cadeau, mais je te dis, il n'est pas à moi jusqu'à Motsé Shabbat. Comme ça, au moins, tu le sauves de ne pas avoir fait un haïssour. Odou Lachem Kitov. Alors, bon, Hélène, le cadeau, on l'a réglé, Baruch HaShem.
on peut offrir un cadeau de cette manière. J'ai reçu le cadeau avec les façons permises. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le papier cadeau, de le déchirer ou pas? Pas du tout, je ne crois pas. Moutar, Rav Obadiah dit, sans problème, c'est permis. Im kibel matana mehavero. Si j'ai reçu un cadeau de mon ami, avec les façons bien sûr permises qu'on vient d'expliquer, av shea atifa, même si la fermeture zgoura, elle est fermée, bedevek selotep avec du scotch, kevache nana asit lekium, puisqu'elle n'a pas été faite pour tenir, moutar, les fotha, j'ai le droit de venir et de l'ouvrir. Les khatri là en plus. Mais si l'acquisition ne se fait qu'après Shabbat, puisqu'il ne m'appartiendra qu'après Shabbat, c'est un peu mouxé de toucher au papier, de déchirer. Il n'y a pas de problème. Si le cadeau n'est pas mouxé, je peux commencer à l'utiliser, bien qu'il m'appartiendra qu'après Shabbat. Même si c'est une chemise, par exemple, que je ne vais même pas mettre si Shabbat, c'est une chemise. Même si c'est une chemise, je veux l'ouvrir, je vais avoir un profit. C'est vrai que si je ne veux pas du tout la toucher, et j'ai aucun intérêt de la prendre Shabbat. Alors oui, c'est vrai qu'on va rentrer dans les lois de Moukse. Mais aussi, non, j'ai le droit d'ouvrir. D'accord. Im kibel matana mehavero. Mais tu n'avais pas dit un jour. Tu n'avais pas dit un jour qu'on n'avait pas le droit de sortir un habit de la semaine, le Shabbat, parce que c'est le Moukse. D'accord. Et le cadeau va s'ouvrir. Tu m'as fait un cadeau Shabbat. D'accord. J'ai une possibilité de le mettre Shabbat. Je peux l'ouvrir. Après, je décide est-ce que je le mets ou je le mets pas. Mais si je te dis, tiens, c'est une chemise pour la semaine. Et tu es sûr de ne pas du tout avoir une possibilité de la mettre Shabbat, alors là, c'est problématique. Mais ça, on reviendra dans les lois de Moukhtsi, si Dieu veut, Bekarov. Maintenant, Hanotnim Besira Hamin Rov Shalem, ceux qui mettent dans la marmite de la Dafina, écoutez bien, un poulet entier, ou des morceaux de viande qui sont attachés avec un fil. Je ne sais pas si vous connaissez les alouettes. Attachés avec le fil. Et ils sont mamaches. Il y a des poulets même qui sont cousus. Très, très bien. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le fil Shabbat ou pas? Oui. Sans problème. Lama. Oui. Parce que c'est pas la semaine pendant que tu manges. Bravo, c'est Tikkuné Achila. Très, très bien. C'est Tikkuné Achila, c'est pour manger, Sony. Comme c'est pour manger, il n'y a aucun problème. Aucun problème, Rabotaï, c'est moutard. C'est bon. Est-ce qu'on a, on, est-ce que vous êtes clair? On peut avancer. Nouvelle mélacha de Shabbat pour cette semaine. Baruch Hashem. On va voir ça. Je me suis demandé une question que là il donne pas la réponse. Donc, j'ai envie de voir, est-ce qu'on a le droit ou pas, Rabotai? Voilà, les chaussettes neuves, attachées. Est-ce que j'ai le droit de déchirer le fil Hervé qui attache les chaussettes pour pouvoir les mettre Shabbat? Je pense que oui. Moutard? Je pense que oui. Pourquoi c'est permis? Parce que tu vas les mettre, parce que tu vas les utiliser. Parce que ça n'a pas été fait pour que ça dure. Ça a été fait uniquement jusqu'au moment où tu vas les mettre. Et tout kécher qui n'a pas été fait, les kiyoum, pour qu'ils tiennent, je peux le déchirer. La même chose, des fois, tu as acheté une nouvelle chemise ou un nouveau costume et tu as la marque. Tu as la marque comme ça sur la chemise et tu as envie de la déchirer. J'ai le droit. Parce que cette marque, elle n'a pas été faite pour que ça reste. Et toute chose qui n'a pas été attachée pour que ça reste, ça s'appelle... quelque chose qui n'a pas été fait, les kiyoum, moutard, j'ai le droit de venir et de le déchirer. Odou la chaîne Kitov, on a fini Bessirata d'Ishmaïa, merci Hachem, en cette veille de Rosh Chodesh, mais les chètes Coréa. Quoi, Philippe? Excuse-moi, le bouton qu'il y a sur les chemises en plus, à chaque fois qu'on garde, par rapport à un autre mélacha de Shabbat, le transport du Shabbat, c'est compliqué, non, ça? Quoi? Ça, c'est pas compliqué. On verra ça, Bézard Hachem, dans Tiltoul, que c'est permis. On verra dans Tiltoul que c'est permis. Excuse-moi. On a acheté une chemise en vue de Shabbat. Ouais. Et on a oublié d'enlever l'étiquette en plastique, tu sais, où il y a l'étiquette de prix à rattacher. Tu peux la couper. Tu peux la couper, mais tu la mettre directement à la poubelle, Sandra, parce que c'est Moukhtse Gamour.
Mais on a quand même le droit de la couper. On a quand même le droit de la couper. C'est comme les épluchures de l'œuf. Tu vas éplucher l'œuf. La couper sur la poubelle, qu'on n'ait pas besoin. Voilà, c'est un peu comme ça. L'épluchure de l'œuf, Ashrecha, que tu dois, dès que tu l'épluches, tu dois directement le jeter à la poubelle parce que ça devient mou. Tu sais, ça aussi, c'est comme les gens ne savent pas, Rabotai, qu'une Kabbalah, un ticket de caisse, c'est Mouktsé Gamour. Un Cheshbon de téléphone, de gaz, les factures, toutes les factures sont Mouktsé. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle des contrats. Aucune utilité pour le Shabbat. Et je vais vous dire encore plus. Tous les contrats, tous les Cheshbon, les Kabbalahs de téléphone, de gaz, de Arnona, tout ça, tu n'as pas le droit de les voir. De toute façon, ça te rend triste dans tous les cas, Hervé, quand tu vois tout ce que tu dois faire. J'allais dire, est-ce que ça te rend bien ? Est-ce que ça te fait de la joie ? Donc déjà, c'est assourd. Mais mis à part ça, Sony, même les relevés de compte, si tu vois les millions qui sont de côté, même si ça va te donner de la joie, c'est assourd, parce que ça s'appelle Chitré et Diotot. Les contrats des Diot, que ces contrats, ils sont Mouktsé Gamour. Je vais vous dire encore plus, on n'a même pas le droit de les regarder. Même un ticket de caisse, c'est Mouktsé. On n'a même pas le droit de le regarder. Tu passes à Paris, à Marseille, dans tout le monde, devant un magasin de costumes. Benjamin, quand tu allais à Midrash Shalom, et tu regardes le prix du costume, regarder le prix d'un article Shabbat, c'est assourd. Parce que c'est méphorage, hein, c'est une halakha dans Shulchan Aruch Hamush. Je peux te la montrer. Regarder, c'est assourd. Et ça s'appelle encore plus profaner Shabbat parce que tu as lu un contrat de Ediotot. Ça veut dire que tu as lu quelque chose de Chol, un prix, une publicité que tu n'as pas le droit de regarder Shabbat. Ne pas y penser, c'est plus difficile. Tu n'as même pas le droit de jeter l'œil. Ta femme, elle te dit, ah, regarde, sur l'actualité juive, il y a séjour à Eilat ou au ski. Regarde le prix. C'est assourd de regarder le prix. Pas d'en parler. C'est Mouktsé. C'est assourd de regarder le prix. Il faut définir Mouktsé que c'est aucune utilité pour le Shabbat. Excellent. Excellent. Mais ça, c'est encore plus que ça, Hervé. C'est encore plus que ça. C'est une utilité de contrat de Ediot. C'est Chitré, Ediotot. C'est Rol. C'est Rol. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça que les, je sais pas comment ça s'appelle, Patrick, les magazines de publicité. Il y a des magazines où il n'y a que des pubs. Pour l'immobilier, pour le mobilier, pour des pubs de. Ce magazine est Mouktsé Shabbat. J'ai même pas le droit de le transporter. Le problème, c'est les magazines d'actualité, que j'ai une feuille pub, une feuille actualité. Donc la feuille publicité, je ne peux même pas la regarder. C'est très dur à avoir. Est-ce que c'est clair? Si on reçoit une enveloppe pour une invitation pour un bar mitzvah le Shabbat, on a le droit d'ouvrir ça. On ne peut pas ouvrir. On peut. Ouais, c'est discuter, vaut mieux pas. Mais bon, ce n'est pas assourd, on va dire comme ça. D'accord? Mais si Atad Ishmaïa, si Amnou Baouk Hashem, Melechet Korea, dans quelques heures, c'est Rosh Chodesh Shvat, Shvat Rachet Tevot, Sheyé, Besorot, Tovot. C'est un mois extraordinaire. Il y a Toubi Shvat, Rosh Hashanah, là, il la note. On commence en cette veille de Rosh Chodesh, Melechet Tseda. La Melacha, c'est quoi Tseda? De chasser. Alors, au bout la chaîne qui tombe. Biyot vetsivanu Hashem itbarach, lechasot et amishkan, be'orot elim et odamim. Il fallait dans le Mishkan chasser des animaux pour avoir leur peau. Ve'orot tehashim leshem kach utzrach nulitsud. On a besoin dans le Mishkan, on avait besoin de chasser des animaux. Ishrot de faire la shrita et les abed et taor et de travailler la peau. Hatsad be Shabbat. Celui qui chasse Shabbat. Ba'ale hayim, des animaux, des êtres vivants. Sheyesh derech la tsudam. Écoutez bien la melacha de chasser parce qu'elle est très compliquée. On va arriver jusqu'au spray que tu mets contre les moustiques, le spray que tu mets contre les cafards, le spray que tu vas mettre quand tu vas écraser une fourmi, Hasve Shalom. Est-ce que ça s'appelle tseda? Est-ce que ça s'appelle tuer? Attention, je vous demande de vous concentrer, Rabotai. Hagdarat amelacha, hatsad, celui qui chasse, Shabbat. Baalei haim, des êtres vivants. Sheyesh derech la tsudam, qu'il y a l'habitude de les chasser. Ketsevi, comme un cerf, odag, ou un poisson. Vechayotse baem, areu over minatora, il transgresse minatora al melechet tseda. Sur la melacha de quoi? De chasser. Avalatsad baalei haim, shen derech la tsudam.
Et celui qui chasse des êtres vivants qu'on n'a pas l'habitude de chasser, kisvuvim, comme des mouches, yitushim, des moustiques. Areu envers alisur mi derabana, il transgresse un interdit des rabana. Ça veut dire pour transgresser un interdit des oraita, il faut tsemar chasser quelque chose qui a l'habitude d'être chassé. Pêcher un poisson, c'est minatora. Chasser une vache, c'est minatora. Chasser un agneau, c'est minatora. Chasser un cheval, c'est minatora. C'est des animaux que le monde a l'habitude de chasser. Mais tuer ou chasser un moustique, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude en général de chasser. Donc, c'est un interdit des rabanan. Est-ce qu'on peut avancer? Très bien. Le moustique, il me dérange. Attends, Léat, on arrive au moustique. Ne t'inquiète pas, Bezrat Hachem, on arrive, on va lui donner din vehejbon à ce moustique. On va le juger. Attends. TVA chez Yeshbas Zvouvim. Une boîte dans laquelle il y a des zvouv, des mouches. Donc j'ai une boîte dans laquelle il y a des mouches. Est-ce que je peux la fermer pour ne pas que les mouches y sortent? Moutar ou assour? Assour. Pourquoi assour? Mais tu les chasses en les fermant. Tu les emprisonnes. C'est mouta parce que tu peux... C'est des rabananes, je pense. C'est une grande barlouquette. C'est comme une biche qui rentre dans un hatser. Si tu fermes la porte, c'est pour moi. Comme une biche qui rentre dans le hatser. Benjamin, il y a un cheval, il est rentré chez toi. Il vaut des milliers d'euros. Est-ce que tu as le droit de fermer la porte pour ne pas qu'il sorte? Non. Alors, il y en a qui permettent de fermer cette boîte, il y en a qui ne permettent pas de fermer cette boîte. Dvora, une guêpe, hanimtset besamuch la adam, qui se trouve proche d'un homme. Veu hoshesh veyare meod be'akit sata, il a très peur qu'elle le pique. Mutar lichpot alea keli shelo ta'aktsenu. Il a le droit de retourner un ustensile sur la guêpe pour ne pas qu'elle le pique. Vechenim nichnesa la bakbouk, si elle rentre dans un bouteille, j'ai le droit de fermer la bouteille. Ah, une guêpe, attention, une guêpe. Ah, aval, il touche, mais un petit moustique. Hanimtsa basamuch la adam, qui se trouve proche d'un homme, assur la tsudo. On n'a pas le droit de le chasser. Veima il touche al besaro mamash. Et si le moustique, il est mamash sur ma chair, j'ai le droit de faire comme ça avec ma main pour qu'il tombe par terre. Sans le toucher, ou j'ai le droit de le jeter comme ça par terre, mais en faisant attention que quoi ? Qu'il ne meure pas. Et si tu l'as jeté et il meurt, c'est pas grave. Bechen tolaim anim tsaim batinok befiatabad vegorim la tsar, toute bestiole qui t'emmène de la souffrance, tu as le droit de les dégager de devant toi, mais tu n'as pas le droit de les tuer. D'accord ? C'est clair, Rabotaï ? On n'a pas le droit de venir. La tuer. La guêpe, on ne peut pas la tuer. On peut l'enfermer dans la bouteille si elle est dans la bouteille. On peut l'enfermer dans la bouteille. Oh, on arrive à temps. Avant de rentrer, Bezrat Hachem, Léat, Léat. Une seconde. Si tu fermes la bouteille, tu le tues ? Non, si je ferme la bouteille, je ne le tue pas. Bon, ah ben, dis donc. Je ne le tue pas. Après, il va mourir peut-être tout seul, mais c'est indirect. D'accord ? Tiré par les cheveux, comme d'habitude. Non, c'est des rabanan, Khamouche. Khamouche. Si tu décides de fermer la bouteille, c'est que tu fais quelque chose. Atatsodek, Meahouz. Mais je vais t'expliquer, mon frère. C'est une melacha des rabanan. Et une melacha des rabanan que je fais indirectement, c'est pas évident. On peut discuter. Exemple, je vous donne un exemple. Il y a le chauffage à la maison, il est sur thermostat. D'accord ? La clim, elle est sur thermostat. Je vais ouvrir la fenêtre pour là, que l'air elle rentre, ou le chaud ou le froid, pour entraîner que ça déclenche, que la clim elle se remette en marche. Moutar ou assour? Assour. Moutar. Bravo, Benjamin Fourage. Moutar. Quand je ferme aussi là, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cette halakha, ça va nous prendre des heures et des heures. Là, la guêpe, elle est déjà rentrée. Je ferme la bouteille, ça s'appelle grama. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, Rabotaï, tout ce qui est dangereux, comme un scorpion, un serpent, etc., c'est une mitzvah de le tuer. Parce que quand tu tues quelque chose qui est dangereux, tu mets quand même une mitzvah d'enlever un danger
de devant toi. Donc, je parle de quelque chose qui ne fait pas de mal, je ne peux pas le toucher. Quelque chose qui va me piquer, qui va me déranger, je peux le dégager comme ça par terre, en faisant attention de ne pas le tuer. Quelque chose qui est dangereux, mitzvah de le tuer. Comme Shulchan Aruch a tranché Rabotai Singmara dans Baba Kama, Nafsamer, je crois, Assur le Adam chez Igadel Kelevra Betorbeto. Un homme n'a pas le droit d'avoir un chien méchant à la maison. Parce que le chien méchant, il peut faire peur. Et la Gemara, elle raconte dans Maseret Baba Kama qu'il y avait un homme avec un gros chien qui faisait très, très peur. Il y avait le voisin de cet homme-là, c'était une femme qui était enceinte. Elle avait très peur du chien. Elle lui a dit, je t'en supplie, enlève ton chien, j'ai peur. Le voisin, il lui a dit, ne t'inquiète pas, je lui ai cassé les dents, il ne peut pas mordre. Et un jour, elle sortait, l'Akbar, elle raconte, cette femme, elle sortait de la maison. Le chien, il a donné un gros cri de peur. La femme, la pauvre, elle a fait une fausse couche. Hachabim, ils ont venu, ils ont décrété. Assur le Adam chez Gadel Kelevra Betor Beto. Un homme n'a pas droit d'avoir un chien méchant à la maison. Ça veut dire un chien qui peut faire du mal, un chien qui peut faire peur, c'est assur de l'avoir à la maison. Un petit chien gentil, selon la Kabbalah, c'est grave d'avoir le chien à la maison, mais c'est plus un sujet de Kabbalah. On ne va pas rentrer maintenant dans la sugya du chien moutard, assur, mais en tout cas, un chien qui peut faire peur, les koladéot, c'est assur. C'est vadeï que c'est assur, parce que tu es mégadel quelque chose, un ézek, tu es mégadel un dommage. Tu fais grandir quelque chose qui fait un dommage chez toi. Et un dommage chez toi, tu n'as pas le droit de le garder. Si c'est pour protéger la maison. Si c'est pour protéger la maison, c'est que bitnaï qui soit toujours attaché, la Gemara elle dit, qui s'approche de personne, qui rentre jamais chez toi. Mais de toute façon, sache-le que si un chien il rentre chez toi, quel que soit le chien, il y a où un avis, il fuit de la maison. Comme ça, un jour, un élève du Rav, Philippe, il avait acheté un chien. Le Rav lui a dit, sors-le de chez toi vite. Parce qu'il a dit, tant qu'il y a le chien à la maison, Eliyahu Hanavi, il s'enfuit. C'est écrit qu'Eliyahu Hanavi, il déteste le son du chien. Le col du chien, il ne le fait pas. Dès que le chien, il aboie, il s'enfuit. C'est quoi les seuls, un des seuls animaux qui a eu des relations dans la Teva? Mais le chien, il n'a pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Bravo, Razak. C'est quoi le corbeau? Encore un deuxième. C'est bizarre. Quoi, le deuxième qui a une relation dans la Teva, à part le corbeau. Alors, où vous êtes? Trois. Trois Shimshu Bateva. Il y a trois qui ont eu des relations dans la Teva. Ham, le fils de Noach, il a été avec sa femme dans la Teva. Le corbeau et le chien. Incroyable. Pourquoi on l'appelle Kélève? Qui sait pourquoi on l'appelle Kélève le chien? Pourquoi on l'appelle Kélève, Patrick? Kélève, comme le cœur. Oh, lama comme le cœur. Qu'est-ce qu'il a pour l'appeler comme le cœur? Il est très proche des hommes, non? Parce qu'il sent les battements du cœur. Mmh. Il sent les battements. On coule aux lèvres. Et le Midrash, il dit, le chien, il peut mourir pour son propriétaire. Le Midrash, il dit, c'est le meilleur ami de l'homme. Kacha Omer à Midrash. Et le Midrash raconte une histoire d'un homme qui devait prendre sa soupe, un paysan. Et un serpent, il est venu mettre son venin dans la soupe. Et le chien, il a aboyé, aboyé, aboyé pour ne pas que le propriétaire mange la soupe. Il n'a pas compris les allusions du chien. Le chien, il a sauté, il a bu la soupe, il est mort devant lui. Il a sauvé son propriétaire. Ou Koulo lève. Il peut mourir pour son propriétaire. Il dit, Khamouch, c'est vrai que les chiens, ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. C'est magnifique tout ça. Mais ça ne change pas que c'est un problème, selon le Sod, d'avoir un chien à la maison. Il faut le dire aujourd'hui, c'est très, très répandu d'avoir un chien à la maison. C'est problématique. C'est problématique. Et là, à la Rav, il faut demander à un Rav. Chaque cas, il est à part. Mais non, en tout cas, ce n'est pas évident. J'ai une question maintenant. Oui, si on a un arrêt au sol, on va dire, comme un raid, par exemple, un raid, pour tuer les moustiques. Ok, bravo. Alors, on arrive à ça, Khamouch. Khamouch, ah. tout de suite. Ne t'inquiète pas, tout de suite. Be'ezrat Hashem Itbarach. On arrive à ça, Be'ezrat Hashem. Magnifique. D'accord. Alors, quand je viens et je mets du spray sur les moustiques, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Comme il dit Khamouch, assour. C'est assour. C'est interdit. La poupée, c'est interdit. Alors, c'est quoi la façon? Voilà, la façon, c'est de les mettre à côté.
encore une fois, ça va s'appeler du gramma, du indirect dans une melacha des rabanan. Attention, parce qu'il me dérange. Hein. Parce qu'il me dérange, alors c'est uniquement le éther de venir. On verra ça, Léat, Léat, Bezrat Hashem. On continue. Bakar Batson. D'abord, la poule. Tarnegolim, Shiatsu, Mealou, Larehov. Les coqs ou les poules qui sont sortis dans la rue. Moutar, Litrotam, j'ai le droit de les pousser, Léat, Léat, jusqu'à qu'ils reviennent dans le loul. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, ils ont l'habitude de venir et de revenir tous les soirs. Et s'ils ont l'habitude de revenir tous les soirs, ça ne s'appelle pas que je suis venu et je les ai chassés. Bakar Batson. Du grand bétail et petit bétail, Kegon Aegel, Vétalé, Moutarle Achnissan, la clouve, on peut les rentrer dans le clouve. Le clouve, c'est l'enclos. Chez Oïd, Venderkam, les Ishamet, Chebaim, les Tosan. Puisqu'ils n'ont pas l'habitude de s'enfuir quand on les attrape, alors ils sont déjà considérés comme si ils étaient chassés. Avalim, Mardou, Barhou. S'ils se sont enfuis et il faut une corde pour aller les attraper, c'est assur de les attraper. Moutar le hamit malkodet beshabbat, que de la tsoutba arbarim. Est-ce qu'on a le droit de mettre quelque chose pour chasser les rats pendant Shabbat ? J'ai le droit de poser un piège de rat Shabbat ? Philippe ? A priori, ce serait comme le produit des cafards ou des insectes à côté. Magnifique, magnifique, c'est gramma, excellent. Esther, elle a compris le klal, c'est gramma. Gramma dans une melacha des rabanan, moutard, c'est permis. Encore deux halakhot pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Si Porsche Nichnessa la baye derech ha-halon, voilà le cas, Benjamin. Un oiseau qui est rentré dans la maison par la fenêtre. Assur l'isgor et ha-halon. On n'a pas le droit de fermer la fenêtre, mais matara le tsouda pour le chasser. Non, c'est le contraire, d'ouvrir la fenêtre. Non, on n'a pas le droit de fermer la fenêtre pour que l'oiseau y reste. Ah, ok. Aval, mais s'il fait froid et tu veux fermer la fenêtre parce que tu as froid, tu as le droit de fermer la fenêtre. Bien que en fermant la fenêtre parce qu'il fait froid, tu vas chasser l'oiseau. Asoger et halon beto, celui qui ferme la fenêtre de sa maison. Ou pit homme, et d'un coup, il a vu qu'il y avait quoi ? Un beau perroquet. Il n'est pas obligé de réouvrir la fenêtre. Il n'est pas obligé de réouvrir la fenêtre pour faire sortir le perroquet. Parce qu'une fois que tu l'as chassé, sans kavana de venir et de... Tu as fermé sans kavana de venir et de chasser, c'est moutard. Ça s'appelle comme si tu n'avais fait aucune melacha. Baruch Hashem siyamnu melechet. Tzeda, chassé. Bezrat Hashem belineder shavua abba. On attaquera melechet shohet, la melacha de tuer. Et on rentrera plus dans les détails de tuer les insectes, etc. De marcher sur les mouches ou sur les fourmis, comment on doit faire.